c'est 22. Non, mais c'est bon, ouais, écoutez, je crée la game. Ouais, vas-y, code names et on verra quand on doit s'arrêter. Voilà. Code names, on fait deux games et voilà. Ouais. Create room, la France. Moi, ça me va très bien hein, si on arrête la nuit. Antoine, crée un salon. Ça te va, Florence, code names ou pas? Ouais, moi, j'aime toujours code names, tout le temps. Allez hop, on va voir là-dessus. 94 inscrits au FPS. Le chat. Banger. Sur combien? Bah, sur 100. Ah oui, c'est après-demain, ça? Après-demain, ouais, tout à fait. Bon, sinon, le petit Civ, c'est quand? Je vais m'en occuper. Ça, c'est Antoine, hein? Je m'en occupe. Je vous file le lien. Ça ferme tôt, merci. Hein. Okay. Ah ouais. Je vous file le lien dans Salon Code maintenant. Écoute, ouais. Je me mets en agent, j'ai pas envie de faire deviner, là, j'ai la flemme. Où est le lien? Je vous l'ai mis dans Salon Code. Ah oui. Ne liquez pas. Oh, tu te mets avec moi, Zerator. Très bien. Ah bon? Bah quoi? Bah excuse-moi, okay. Florence, désolé d'être une merde. Bah non, mais c'est que je crois que la dernière fois, j'avais déjà joué avec Fred et je pensais qu'on allait échanger les équipes. Non, je suis désolé, c'est insupportable, je sais. Je crois qu'on avait eu la même config de partie. Excuse-moi. Mais vas-y. Vraiment, je peux pas changer. Je peux changer ou pas? Mais non, mais non, mais c'est pas grave. J'ai envie de jouer avec toi, Zerator. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ok. Oui, c'était en haut. Non mais il me semble que la dernière fois on avait exactement la même collab. Oh, il y a un dark mode sur oh, le oui, site. Non, mais je suis désolé vraiment. Il y a un dark mode. Mais c'est pas ça. Pardon d'être en vie. Voilà, c'est pas ça. Oh bichon. Oh là là. Très susceptible un homme. Très susceptible. Oh waouh. Bah c'est let's go. Je passe en emote only, je suis désolé. Oh c'est joli. Moi je passe pas en emote only mais je baisse le chat. Et voilà, et je regarde plus. Ça, impossible de voir quoi que ce soit, même si je tourne la tête. Mais non, mais toi, t'es espion, t'as le droit au chat. Oui, c'est vrai que je pourrais, mais j'aime pas m'aider, je préfère galérer. Ouais. Alors, luxe, stade, guide, cycle, garde, Barcelone, journal, drogue, rayon, agent, Rio, éponge, ombre, lacet, platine, classe, franchise, bougie, clé, culture, Napoléon, barbecue, danse, Pékin, plat. Très bien, nous sommes blue. Quelle est la couleur? Bleu. Quelle est la couleur? Je vais faire des efforts, Florence, mais je ne suis qu'un vulgaire grouillot, j'ai dit, bien sûr. Quelle est la couleur? Un vulgaire grouillot, bleu. Je connais pas ce terme. Non, bleu. Bleu. Fred? Voilà. Oui, allô? C'est quoi un grouillot? Alors je sais pas. Mais ça a l'air pas ouf. Ok. Grouillot. Ça va pas être facile, ça. Homme à tout faire, subalterne, coursier. Jeune employé de la bourse qui chargeait de porter rapidement les ordres et achats de vente. D'accord, je ne savais pas. Grouillot en 4. Luxe, stade, guide, cycle, garde, Barcelone, journal, drogue, rayon, agent, Rio, éponge, ombre, lacet, platine, classe, franchise, bougie, clé, culture, Napoléon, barbecue, danse, Pékin, plat. Je sais lire. J'ai envie de commencer petit. Hey, coucou. Mais merci moins, beaucoup, Zumar, d'avoir changé la catégorie. Merci après, beaucoup. Et merci Orkaz pour le 34e mois, bientôt les 3 ans. OMG, merci beaucoup. Et merci Mars Jackson pour le 10e mois, pardon. Merci en 2. Ouais. Putain, t'es chaud. Sécurité. La sécurité, un agent de sécurité. Bon, alors attends, luxe. Stade. Sécurité du stade. Stade sécurité. Un guide de sécurité. Le cycle de la sécurité. Un garde. Oui, bon. Agent et garde, pour moi, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais regarder quand même. Rayon. Drogue. Plutôt l'insécurité. Journal. Barcelone, Rio. Éponge. Ombre. Lacet. Platine, culture. Clé, bougie, franchise. Bon, je pense que c'est de là. Agent de sécurité. Un garde, c'est la sécurité. Fini de deviner. Merci à tous. Bravo. Alors Zera, elle est hyper vite, moi j'ai pas mon mot encore. Hein. Bah c'est pour ça, je me suis dit ça va être à elle et là je réfléchis. J'ai tout de suite mis pression dans la game. Boum. Bien joué ça. Pressurisation maximale. En plus Florence me déteste, right amount of pressure on it. En plus quoi? Ah, est-ce que je peux faire ça? Florence me déteste alors ça. Oh, bébé Kadom là. Le bébé Kadom. Kadom baby. Désolé de respirer votre air. Cut'em baby. Quel relou. Cut'em baby. Bébé Kadom.
Et bah top. Ça peut marcher, effectivement. Zera, je t'envoie un DM pour me dire si tu valides le mot ou pas, ok? Ok. Va te trahir, fais pas ça. Je sais pas quoi te dire. Ah. Attends, votre écran va s'éteindre. Appuyez sur OK. Oui, c'est bon. Attends, laisse-moi une minute. Parce qu'en... En... Oh, je sais pas. Bon, allez, vas-y. T'es sûr, hein? Ouais, Osef. Après, tu sais, je suis complètement con, hein. Peut-être s'il faut, je vais me tromper. PSG. Ah oui, d'accord, c'est parce que tu disais A, Paris Saint-Germain, c'est 3... C'est un acronyme, ouais. Bah, en fait, c'est que... Alors, rappelez-moi, pour ping, s'il faut que je clique dessus, si je clique faut sur que le... Tu cliques sur la main? Non, pas du tout. Faut que genre TVA, ça marcherait, par exemple, si je pouvais... Pourquoi PSG, ça marcherait pas pour... Bah alors, PSG, ça veut dire Pékin Saint-Germain, il me semble. Du coup, je dirais Pékin en bas. Du coup, Pékin, déjà, c'est sûr. Pékin, pour moi, c'est ça. Alors, PSG, évidemment, le stade, bien sûr. Alors, le PSG, c'est un club très luxueux, mais bon, c'est peut-être pas ça. Le PSG, ouais, mais ça pourrait être plein de trucs, tu vois. Le PSG, mais ils ont pris de la drogue au PSG, enfin, ça arrive, tu vois. Barcelone, ça arrive. PSG, ils jouent souvent contre Barcelone, quelque part. C'est le Barça. Et oui, mec, tout à fait. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a un cycle assez fort parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes. Je veux dire, les équipes changent beaucoup. C'est ça. Les rayons du PSG, très certainement. Rio, il y avait Neymar. Rio, c'est vrai que ça pourrait être Rio si t'as raison. Ouais, bien sûr, il y avait Neymar. Hein. Après, c'est vrai qu'en vrai, au PSG, il s'éponge parce qu'il fait chaud, donc il s'éponge. Eh oui. Ah, mais t'as mis 4. J'avais pas vu que t'avais mis 4. Ah, 4, putain, la vache. Franchise, classe. Napoléon, c'est la France. Le PSG, c'est Paris. Paris, c'est la France. Tu vois, peut-être, est-ce que ça va loin? C'est bien vrai, ça. C'est ça. Paris, c'est la France, ça, c'est bien vrai, ça. Le Paris, c'est la PSG, France. Ça fait partie de la culture, le PSG. Bougie, bah non. Platine, bah non. Lacets, les lacets des crampons, bien sûr. Les lacets des crampons. Eh oui, les lacets des crampons. T'as les crampons. Drogue. T'as les crampons. Danse, la fameuse danse du PSG. Non, je pense pas. La danse du PSG, c'est connu, hein. Bah oui. Pékin, je pense. Là, je la fais pas sur mon style, si jamais. Moi, je la fais à l'Olympia, là, en ce moment. Classe, franchise, bougie, ombre, éponge, Rio. Alors, pour moi, bon, je dirais stade, oui, déjà. Le journal. Oui, mais le PSG, c'est dans le journal, mais la drogue, c'est dans le journal. La drogue. Ils ont pris. La drogue. J'aurais pas dû autant rire. C'est vrai que c'était... Il y a eu beaucoup de succès. Je l'ai pas dit avec l'accent, en plus. Non. Oh, non, c'est Zera qui m'a fait rire. Moi, j'ai envie de dire le PSG, c'est aussi luxueux parce que le PSG, c'est le Qatar. Donc, mais ils je vais partir pour Barcelone. De la drogue, les développeurs. Les lacets pour les crampons. Tu as les crampons, Kouakou, béton. Et luxe parce que c'est un club de riches. Sale bâtard. Incroyable. Allez. Allez, bonne soirée. Non, 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 c'est pas perdu, Zerator. Oh non. Je suis abattu, là. Avec... J'ai aucune idée. Il a triché, il a strip de Florence ouvert. Oh. Même pas, et ça aurait pu, hein, pourtant. Non. Allez, j'ouvre ton stream Zerator, comme ça je vois un peu. Vas-y, ouvre, okay, je fais genre bon. Je te donne un mot bizarre et tu... Bravo le chat. Ouais, ça. Grouillot 1, loup grandir 0. Loup grandir 2. Oh. Ouais, le... sexe en 7, hein. Oh non, pour les 607, non. C'est impossible. Moi, je pense que c'est possible, hein. Allez. J'arrive. Tu peux le faire. Prends ton temps, hein. Take your time, bro.
Ah non, ah, j'avais un super beau, mais ah non. Il est courageux, il est courageux. Oh non. Ouais, 507, hein, sinon 0. Hein. Sinon ça va partir. Hein. Bah, si j'ai pas dit, il avait le mot cocaïne, mais drogue et le mot noir, hélas. C'est dommage. Quoi ? Feur ? Allez. Avec crampons. J'en peux plus, je rigole pour rien du tout. Allez. Feel the magic in the air. Allez. Levez les mains en l'air. Allez. J'ai pas d'idée. Antoine redécouvre sa go XLR. Oui. Je me prends la route 2 là dans une semaine. Je vais me prendre la route 2 également. En 3 je vais pas... Oui. Attendez. J'attends. Vas-y. Histoire. Le guide. Un guide historique. C'est possible ? C'est pas possible. Le cycle. L'histoire est cyclique. Journal. Ah bah oui, l'histoire apparaît dans le journal. Drogue. Histoire de la drogue. Non, je... Rayon. Histoire rayon, non. Platine. Non. Ombre. L'histoire des ombres. L'ombre histoire. Non. Éponge histoire. L'histoire des éponges. Tout le monde s'en bat les couilles. Rio. Non. Bon, il y a une histoire à Rio, mais bon. Classe. On apprend l'histoire en classe. Putain, il a matière. Pas trouvé l'éponge alors que j'ai dit histoire. Tout le monde se bat les couilles de l'histoire des éponges. Il y a de l'histoire en classe. Franchise. Ouais, je sais pas, peut-être. Bougie. La bougie de l'histoire. Clé. Les clés de l'histoire. Avec Stéphane Bern ce soir à 20h sur France 2. Non, c'est pas ça. Culture. L'histoire, c'est la culture. Plat. Le plat historique, Pékin. Bon, il y a beaucoup d'histoires à Pékin. Mais bon. Bah, tu connais l'histoire de la danse, c'est une vidéo YouTube super connue. Non, je connais premier pas. Degré, premier contre, degré, vraiment. Ce que j'ai connu, c'est Danse avec l'histoire, que j'ai vu tout récemment. Ça, c'était vachement bien. Barbecue historique. Napoléon. Ah, Napoléon, il est dans l'histoire, lui. Lui, il est dans l'histoire. Alors, bon. Tu connais pas dans l'ombre de l'histoire ? Non. C'est-à-dire les mecs qui sont un peu oubliés, tu sais. Bah, genre, je les ai oubliés. Philippe Seguin, par exemple, tu vois. Philippe Seguin, il est pas dans l'ombre de l'histoire. Il brille de mille feux. bon, pour moi, ça va être ces trois-là, je pense. Trop Napoléon, je pense que c'est bon. Culture, c'est bon. Classe, c'est bon. Merci à tous. Fini de deviner. Au revoir. Oh. Philippe Seguin, quoi. Le j'aime goat. Ce que j'ai vu. Le goat parce que la chèvre. Je ne dirai rien, mais j'aime ce que j'ai vu. Qu'est-ce que t'as vu ? Ah, ça veut dire que j'ai sélectionné que les bons mots. D'accord, donc guide, cycle et journal. Ce sont les mots qui nous restent. Ah non, je dirais pas ça. Je dirais rien. C'est ça. Je pense que t'as l'intro du mec. Et que tu triches. Ah. En deux. Oula. Allez. Soleil. Sous le évidemment, soleil de Pékin. Évidemment, en premier. La danse du soleil, peut-être. Les Incas, la danse du soleil. Barbecue, oui, bah, en général, on fait un barbecue quand il fait soleil. Donc, oui. Le guide, le cycle du soleil, parce que... Oui, jour, nuit, bah oui, jour, c'est un vrai truc, nuit. Le cycle du soleil. Et les rayons de soleil, bien sûr. Bon, non, je pense qu'on va partir sur les trucs les plus simples. Je crois pas ça, non. L'éponge du soleil. Bon, ça, il faut pas laisser les éponges au soleil. On s'en fout de l'éponge du soleil. Ouais, ouais mais arrêtez avec les éponges, là. C'est toi qui as dit que tout le monde s'en foutait de l'histoire des éponges. Platine du soleil. Ah ouais. T'as jamais fait Pékin, la ville soleil, Pékin. Après la danse du soleil en vrai, mais je pense que ça va être ombre et rayon. Putain, il a raison. Oui mon c'est poulain. En 4 ou rien, Zerator. T'es perdu. Non. Tu vas réfléchir très fort. Les connexions neuronales vont se faire. Tu n'imagines pas le nombre de connexions neuronales, d'impulsions électriques. Non c'est impossible. Il va falloir avoir pour trouver ce truc là et tu vas le trouver. Le miracle va s'accomplir sous nos yeux ébahis. C'est maintenant. Quel était le pourcentage de chance que cette trappe débouche ici ? Déjà ce que je veux dire le chat. Merci Jirok, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon live. Vous faisiez quoi de beau ? Merci Paf avec également pour le 7e mois. Toubian pour le 6e mois. J'ai pas compris les règles. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a compris. De quoi ? Dommage que personne qui regarde ton live n'ait compris les règles du jeu auquel tu joues, mec. Ah non, mais le chat, faut pas toujours en faire confiance quand ils proposent des mots. Ouais. Des fois, ils ont des idées lumineuses, pas si lumineuses que ça, quoi. Ça va être sexe. Sans vouloir offense le chat, bien sûr. Je pense pas que ça sera sexe en 4, mec. Non, mais
Bon, attendez. Tiens, Antoine, toi qui es super fan des, de la série des. Comment ça s'appelle là les, Naruto les... Non, l'avocat. Les, ah, Phoenix Wright. Oui. Ça te parle, la Galadrie? La Galadrie? Ouais. Non. Ça devrait? Pourquoi? C'est quoi? Bah, c'est un pays qui apparemment est mentionné. C'est vert, mais juste, le nombre de fois vous m'avez proposé des mots et je vous dis, mais non, les amis, regardez le mot d'en face et vous me faites, ah oui, c'est vrai. Ah oui, bah alors oui, il y a la. Oui, effectivement. Pourquoi? Nombre de fois où c'est arrivé sur Codenames. Je suis en train d'écrire un épisode sur Dino Crisis. Je suis désolé, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ok. Voilà. C'est vrai mais ou c'est bon, pas vrai? Les deux univers sont liés. Ça n'est jamais arrivé. Fun fact. Fun fact tout à fait la Borgie. Fun fact de gamer. La célèbre chanson. C'est vraiment toutes les 5 minutes. Ou des fois où vous confondez les couleurs aussi, vous proposez des mots pour les gens d'en face. Ça n'est jamais arrivé ça non plus. C'est qu'elle a fait avec Conrad Gavin. Très très bien. Regardez en boucle bien sûr. Oh, moi les Phoenix Wright, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que t'es trop nul ou t'aimes juste pas? En fait, c'est. Vous accusez sans preuve, maintenant je vais retrouver tous les clips là. La première affaire du premier jeu, j'avais bien aimé. Merci Théas pour ensuite, le deuxième mois. Parce que ça part tout le temps entre. Réal pour le Prime, merci beaucoup. Au partir du moment où ça devient bien, t'as trouvé ça à chier quoi, globalement. Bah, en fait t'as aimé le tuto quoi. Oui, c'est ça, mais, parce que, mais vraiment, après, tu sais, quand tu dois commencer à réfléchir en mode oui, bah alors là, parce qu'en fait, il était en fantôme, et puis il y a la chouette qui a commencé à parler à voix haute, et en fait, la chouette, elle peut parler. Enfin, ça a plus de sens. C'est n'importe quoi. Ça a plus de sens et du coup moi j'arrivais pas à suivre. J'ai pas cette logique n'importe quoi. Oui, ils sont mimi les dinos qui boudent, je les aime trop. Y a pas de logique n'importe quoi. Tout a du sens. Ils sont très bien nos mots. Arrêtez de bouder le chat. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre là? Vous pouvez pas bouder. En fait, si vous boudez pour des mauvaises raisons, ça fait perdre de votre sincérité quand vous avez vraiment le droit de bouder. Vous comprenez? Donc il faut rationner le boudage. Sinon, je prendrai plus à cœur quand vous boudez, parce que là, c'est injuste que vous boudez, parce que ce que je dis, c'est vrai. Je le sens, je le sais. Je suis à deux doigts de dire que vous desservez la cause du boudage. Il est dans ta cuisine, je sens. Il y a pas. Oh, si. Oh, vous perdez du capital boud. Il va arriver avec sexe en deux, là, et hop. Même pas en quatre, en plus. Ouais. Alors, j'essaie de voir quels sont les mots qui sont impossibles entre eux, tu vois. En trois? Non. Oh non, on va perdre... Non, mais si tu trouves les trois, tu t'entreras un quatrième, et voilà. Tu vois. Bah, non. Épice. Épice. La danse de l'épice. Plat. Pékin, en Chine, il y a beaucoup d'épices, peut-être. Ouais, c'est pas. Vrai. Barbecue. Barbecue épicé. Je suis sûr que les Chinois, ils aiment bien manger épicé. Surtout, il y a la Thaïlande à côté, la Thaïlande, c'est épicé. Il y a des chances, en vrai. Bah, une drogue un peu épicée, peut-être. Le cycle de l'épice, le guide d'épice, journal épice, Rio, ouais, épice au platine, éponge épice, DJ épice, DJ t'as dit DJ épice. Je ne veux pas qu'on intellectualise mon boudage, je veux juste qu'on accepte mon ressenti. Épices, d'accord. Pékin épice. Okay. Bon, pour moi c'est un plat. Déjà, et vos sentiments sont valides. Oh non mec, non. Non, non. Non mais c'était impossible, c'était impossible. En fait, j'ai dit au chat, bon bah vas-y, c'est pas grave, on va mettre un mot, c'est impossible. Attends, est-ce que j'ai compris? Attends, est-ce que je crois? Dans tous mes autres mots, de toute façon, il y avait un mot qui faisait la merde. Est-ce que t'as voulu me faire deviner épice parce que ça commence comme éponge? Non, t'as pas le droit de faire ça. Je crois que t'as le droit de faire ça. Non, je crois pas. Enfin, c'est un peu de l'anti-jeu. Non, ce que j'aurais dû faire, c'est dire en deux et espérer, mais bon. T'es prêt, Fred? Je voulais pas faire oui. Ça. Oui. Fouras. Fouras comme le père Fouras qui rappelle, jette des clés dans la mer. C'est jamais la faute de celui qui devine. Fouras comme... Impression que le discours, comme... il change quand même, non? Non, là, justement, c'est contre lui, le discours, là, justement. Je dis toujours que c'est jamais la faute de celui qui devine. C'est toujours la faute de celui qui fait deviner. Ah oui, non. Fouras, ouais. Comme le fameux barbecue du père Fouras, comme la danse du père Fouras, qui, je suis sûr, existe, en plus. Fouras, comme le père Fouras à Pékin, peut-être le spin-off. Le cycle du père Fouras. Oh putain. Guide, le père Fouras, c'est un peu un guide, finalement. C'est un peu le guide de Fort Boyard. C'est un peu un drogué aussi, hein. C'est un peu un drogué, père Fouras. Père Fouras, il doit prendre de la drogue, hein, s'il reste toute l'année là-bas à Fort Boyard, là, il s'ennuie. Hein. Dis donc, tu deviens zinzin, je pense, hein, quand tu vis là-dedans toute l'année. Que tu deviens complètement fou. Tu deviens complètement fada. Complètement fada.
Alors, éponge, le père Fouras, bon, je sais pas si s'éponge réellement, le père Fouras. Bon, alors, clé, oui, évidemment. Mais alors, le reste, Fouras. Les éponges, ça vit dans la mer, hein. Vous avez su un peu l'histoire des éponges. Le père Fouras. Le père Fouras est un vieux monsieur de Fort Boyard. Oui, c'est vrai. Jusque-là, c'est bon. C'est un guide. Enfin, oui, certes, mais ça me semble un peu tiré par les cheveux, quand même, donc ça va pas être ça. La drogue, non, je ne crois pas. Elle aurait mis quelque chose de plus simple. Éponge, le père Fouras, si c'est éponge. Enfin, non, franchement, si tu veux faire deviner clé et drogue, tu fais père Fouras, hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Bougie. Bougie. Pour moi, c'est peut-être bougie en fait, parce que le père Fouras, je suis sûr, il y a des bougies dans le truc du père Fouras. Il y a des tonnes. Sa barbe, franchise. Elle a pris feu une fois. Bah ouais, platine. Père Fouras aux platines. C'est surtout c'est un blond platine, père Fouras. Il est blond platine, ouais, c'est ça. Cycle. Le cycle du père Fouras. Je vois pas du tout. Mais tu sais, il y a un vrai turnover des acteurs. C'est jamais le même. Du coup, c'est ce qu'on appelle le cycle du père Fouras dans le milieu de l'intermittence. C'est effectivement. Le journal du père Fouras. Bon, il écrit dans un genre de livre, mais est-ce que c'est un journal? Bah, c'est un journal intime, et je peux te dire qu'il y a des belles saloperies dedans. Ah bah ouais, c'est la franchise. En toute franchise, le père Fouras. Il n'a jamais été. On va procéder à l'envers. Donc, bon, père Fouras, il n'est pas à Pékin, parce qu'il est dans le Poitou Charente, ce qui n'est pas Pékin. C'est pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. Danse. Je ne le vois pas danser. Je pense pas que c'est un grand danseur, le père Fouras. Barbecue, après il aime peut-être la viande, tu vois, mais c'est difficile à dire. Tu peux pas faire que de la viande au barbecue, tu peux faire aussi des légumes, hein, donc il aime peut-être ça, peut-être les légumes au barbecue. La franchise, il est vrai qu'il est bon. Quelque part, il fait deviner des énigmes, le perforas, c'est une manière d'être franc. La bougie, les éponges. C'est ça ? Je parlais le journal. Oh non. Oh, c'est le miracle de la vie! On a gagné cette game! Oh, c'était imperdable, ingagnable! Oh non! Bonne soirée à tous, bisous! Oh, c'est la folie! Comme a dit Gérard, c'est la faute de celui qui fait deviner. Hein. Non mais journal pour père Fouras, mais t'as fumé de la drogue, Fred! Et guide! Pourquoi le père Fouras, c'est un guide? Mais tu l'as dit toi-même, c'est un genre de guide dans le... J'ai dit c'est un genre de guide, j'ai pas dit c'est un guide, j'ai dit c'est un... Mais pourquoi journal pour père Fouras? Mais je vois même pas le rapport! Mais parce que le père Fouras, il a un journal devant lui! Mais c'est pas du tout un journal, c'est un livre! Mais c'est pareil, un livre, un journal! Bah non, c'est vraiment pas pareil, non! Excusez-moi, Milady. Mais en plus, tu l'as dit, oui, c'est un peu un guide, c'est un vieux monsieur, quelque part, on pourrait dire que c'est le guide du Fort Boyard, quoi. Et après, tu te dis, non, journal, en fait. Mademoiselle, excusez-moi. Oh, Fred, t'es le meilleur. Mais le goat, mec. Je suis au bout de ma vie, hein. Tout simplement le goat à mes yeux, en fait. Pas marre d'être le goat. Je suis au bout de ma vie. Le goat, en fait, mec, là, c'est très simple. Oh là là. Oh, le goat gamer, là. Oh là là. Vas-y, je vais faire deviner Azerator cette fois. Oh, ok, non, c'est un banger, je peux pas. C'est incroyable. GG, faut que tu te mettes espion. Je suis au bout du rouleau. Oh, trop bien. Je suis au bout du rouleau. C'était fou. Je suis au bout du rouleau. Ah, je comprends. Je comprends, Florent. Et comme je vous comprends. Allez, c'est parti. Oh, putain. Alors, c'est moi qui commence. Oh là là, c'est incroyable. T'es toujours sûr que c'est la faute de celui qui fait deviner, Zara? Bah, disons... Dans la majeure partie du temps. Assez souvent, je dirais. Voilà, pas... Attendez, je vais me mute. Oh non, c'était incroyable. Ah, c'était fou. C'était épaule artière. C'était vraiment... On a eu droit à Epola. C'était Epola. Ah oui, c'est vrai, faut que j'enlève le chat. Au revoir. Ah oui, faut que j'enlève le chat aussi, pardon. Comme ça, même si je regarde sur le côté, il y aura plus. Un peu de chat. C'est bon, vous là, êtes puni le chat. Le Discord où j'ai écrit barbecue Pékin, cycle drogue. Alors, Kilt Microscope, patron demande volume, Hawaï, preset. Venise voix, châtaigne, train rame, lapin miel, ampoule charme, vœu poudre, marron lit, épaule noire, queue corde. Mmh.
T'es d'accord. Boude pas, Fred. Boude. Fred. Fred, tu boudes. Je te parle plus, Je fais la gueule, Tu veux. Voilà. Un peu. Comme je vous comprends. Moi qui devrais bouder en plus. Oh là là. Donc à combien de temps je suis de mon domicile? Ma résidence de villégiature. Mon petit pied-à-terre parisien, quoi. À combien de temps suis-je de mon loft parisien? Voyons voir. Bon, c'est pas hyper de mine, hein, 250 mètres carrés en duplex. Mmh. Ah bah on... Rue de Rivoli. Il faut bien vivre. Pardon de vivre. Non, mais je l'ai mérité, j'ai beaucoup travaillé, plus que vous. Tout à fait, on travaille pas. Frédéric, est-ce que je peux te demander si je peux envoyer ce mot ou pas? Montre-moi. Attends, je t'envoie en privé. Ça fait vraiment des conversations bizarres, hein, ce truc. Oui, attends. Oui, alors là, ça va être très bizarre, la conversation. Florence qui m'envoie, Fred. PSG. Oui, bah alors là, c'est pire. Attends, vas-y. Comment ça, oui, Florence? Je suis très fan. Oui. Très bien, allez. Je suis très fan. Allez, Zerator. Oui. Attends, je vérifie s'il n'y a pas de... Ah, il y a ça, quand même. Ah non, je crois que ça me tue. Ça cancel tout? Je crois que ça cancel un peu, ça. Hein. Tout met tout? Ah, ça, c'est... Non, ça va cancel, ça. Osef Go, jamais de la vie. Il va le mettre, limite, en premier, en fait. Je vais le dire. Ça passe. Je vous promets que ça ne passe pas. Non, je... Ok. Ok, et eh ben, je le fais quand même. BDSM en 3. Quoi? C'est trop dur. Ça peut être plein de trucs. Il aurait pu se dire sexe en 9, hein. Oh my god. Alors, BDSM. Il faut appuyer sur quoi, déjà? La petite main, ça valide? La petite main, c'est... Oui, ça valide. Ok. Et c'est quoi pour prévalider? Ah, c'est comme ça. Juste, tu... Ok, donc kilt. Voilà, j'ai des emotes de Mintos dans mon chat, du coup, bizarre, alors que c'est un clown. Non. Patron? Patron, d'une certaine manière, ça pourrait. Demande? Ouais, pareil, hein. Volume? Ça pourrait, mais peut-être pas trois. Hawaï? Non. Prêt? Non. 7? Non. Venise? Non. Voix? Le stop word là, quand tu dis tronçonneuse, tout s'arrête là. Mais bon, châtel. Le safe word, c'est tronçonneuse. Le safe word, pardon. Oui, c'est... train, non. Ram, non. Lapin, lapin, non. T'es déguisé en lapin, non, pas en BDSM. Miel, non. Ampoule, ampoule, en charme, ouais. Vœux, bah, vœux, demande, ouais, je sais pas. Poudre. Poudre, non, pas poudre. Peut-être avant, peut-être après, mais pas pendant, je pense. Marron? Non, pas marron. Lit? Bah, lit, Ouais, lit, ok. Épaule? Non. Noir? Non. Enfin, il y a combien? Merci beaucoup, Philippe Lob, merci beaucoup pour le quatrième mois. Noir, merci beaucoup. Queue? Il a pas fait ça, je pense qu'il a pas fait ça. J'ai pas envie de mettre queue. Corde? Corde, grave corde, très très merci chaud pour Inky One pour... Alors, le sub à Tournesol, merci beaucoup. Très très chaud pour corde, charme et lit peut-être. Mais il a dit, il y a un mot qui va me cancel et il l'a pas vu. Donc je jugerai plus un mot dans un coin. Et c'est pas le coin où il y a charme parce que lit est trop près, donc ce serait plutôt corde. Donc je pense qu'il a pas vu corde. Et merci Elwak pour le sub aussi, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. C'est pas charme. C'était littéralement ce que je voulais pas que tu fasses. Voilà, merci à tous. Dommage. De toute façon, je l'ai. Merci beaucoup Itéaz également pour le deuxième mois qui boudait, merci beaucoup. Merci Real Jeu. Écoutez, de le Prime, bienvenue à toi la communauté, voilà. Merci beaucoup. Je reviendrai plus fort. Ah ouais, putain, zéro. Pff, ok. Dommage. Alors. Fred. Il faut que je compte sur ta pop culture. Oh putain, le truc qu'il faut jamais faire quand t'es devineur. Ok. Ok. Shenron, oh ça va être dur. C'est un énorme risque, hein. C'est un énorme risque, ça. Pour moi, c'est un choke, si vous voulez mon avis. Oh, le choke, et tu t'y connais un petit peu en choke, j'ai l'impression que là. C'est toujours la faute de celui qui fait deviner. Non, je suis pas d'accord avec cette théorie. Shenron, c'est le mec de Harry Potter ou pas? Oui, c'est lui.
Pas maintenant, Florence, pas maintenant. Bon, vu la réaction d'Antoine, j'ai l'impression de ne pas partir dans la bonne direction. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de mettre un prénom américain en mode elle aura. Enron Cooper, Bazinga. Bazinga, c'est lui. Toc toc toc, Penny. Bah non, j'ai pas la ref, hein. Oh. Ouais. Bah, perdu. Oui. T'as pas oui. Et ça, t'as eu l'idée toi-même ou t'as écouté dans le chat? Franchement, j'ai écouté mon chat, mais j'aurais pu l'avoir. Ouais, c'est ça l'erreur. Non, mais j'aurais pu l'avoir. C'est vraiment... vraiment tout en mode... Non, mais quand même, elle va savoir. Non, non. Shenron, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Dézoomé. Enfin, c'est un prénom, c'est un personnage, quoi, mais de quoi? Non, mais c'est pas ta faute, Florent, c'est celui qui fait deviner. Je pleure. Attends, je réfléchis à quoi il pourrait penser, tu vois, Shenron. Je souffre. Si tu vois pas qui c'est là pour le coup, je pense que. Bah non, mais c'est mort. Je souffre. Hein. Je pense que ça va être. S'il veut faire deviner ces mots-là. Ah, t'as passé ? Non, t'as passé. Bah oui, parce que en fait, je commence à dire ah, bah attends, je vais essayer de deviner et tout le monde fait ah non, non, je non, souffre. Mais il faut absolument qu'elle passe. En vrai, y a pas d'autre choix. En fait, si je tombe sur le mot noir, bon, après, tu vas me dire bah, oui. Relancer une partie, mais. Je vais prendre ça. Il y a vraiment un personnage qui s'appelle Shenron dans How I Met Your Mother. Non, c'est Sheldon, je crois. C'est Sheldon, oui, dans The Big Bang Theory pour le coup. Ah oui, en plus. Non, c'est pas le même. C'est vrai, c'est pas le même. C'est vraiment Sheldon. Il ressemble. J'aime ni l'une ni l'autre des séries, c'est pour ça. Il ressemble un peu, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Ah pardon, pardon. Et c'est vrai qu'il y a ça. Bah je vais juste mettre ça en fait. Voilà. BDSM en 3. Attends, est-ce que je pourrais pas l'inclure là? Attends, je me mute parce que là... En plus, quand tu m'as dit pop culture, je pensais que t'allais partir sur un truc genre à la Game of Thrones, enfin un truc vraiment... C'est vrai que j'ai pris un truc que personne connaît, excuse-moi. Bah non, mais juste j'ai pas la ref, quoi. Non mais bien sûr, non mais finalement, t'inquiète. C'est un peu vieux aussi. Bon, je t'en fais un en deux. Je suis né en 93, en fait. Vas-y. Zerator, je t'en fais un en deux, tu pourras en rajouter un après, si tu veux. Vu que si t'as des idées... lieu en deux. Merci à tous. Alors, nous avons quoi en lieu ? Hawaï, mieux. Venise. Et c'est tout ? Bon. Eh ben, ouais. Et oui, et du coup, tu pouvais pas mettre ville, tu pouvais pas mettre pays, tu pouvais pas mettre le continent, t'as mis lieu. Ok, je comprends. Hawaï. Venise. Corde. Bien voilà. Joué. À vous. Allez. C'est logique parce que Corde, c'est un peu ça, le lieu de Corde. Si vous connaissez le lieu de Corde, c'est genre en Formule 1. Quand un pilote, il passe par le lieu de Corde. C'est pour ça que j'ai mis Corde. On va tester. En 3. C'est connu. Canonnière. Oh, il joue trop vite, Fred. On sent qu'il triche avec le chat. Hein. On sent qu'il en a rien à foutre, hein, qu'il réfléchit à rien. il écrit juste ce qu'on lui dit là. Kilt non, microscope non, patron. Ça s'écrit même pas comme ça en vrai en plus. Je pense qu'il y a un seul N, mais je suis pas sûr. J'ai mis le un des deux N à la mauvaise endroit en fait. Kilt, ça marche pas. Microscope, ça marche pas. Patron, ça peut marcher, mais après ça dépend des convictions politiques de chacun. Demande. Volume. Précept. Voix. Châtaigne, train, rame, lapin, miel, ampoule, vœu, poudre, marron, lit, épaule, noir, queue. Bah, les canons, la poudre de canon, c'est noir, mais ça me semble un peu tarabiscoté comme raisonnement. Tarabiscoté. Canonnière, mais après, c'est vraiment un mot qu'on n'utilise jamais en plus. Canonnière. Bon, poudre, ça me paraît... C'est peut-être un petit peu trop français pour toi, excuse-moi. Oh, il est désagréable. Un mot que tu n'utilises jamais, Florence. Un mot que tu n'utilises jamais, ouais. Peux-tu préciser, Florence ? C'est mes convictions anti-guerre, ça. C'est pour ça que je connais pas ce mot. Je l'ai barré de mon vocabulaire, finalement. Je comprends. Poudre que... Canonnière. En fait... Il y a la mèche là du canon pour allumer. Est-ce que
Est-ce qu'en jargon, on appellerait ça une queue? J'en sais rien, tu vois, mais... Tout à fait. Et c'est très connu, d'ailleurs. Ça me semble bizarre. Les canonnières. Allume donc la queue de ce canon, là. Est-ce que la canonnière, c'était l'endroit où on stockait les canons dans les bateaux? Je sais pas, tu vois. Genre d'où, rame. En avant, la canonnière. Moi, je peux pas encore passer, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de repasser encore, hein. Mais... Désolé, mais je sais pas, hein. Qu'est-ce qui te fait? Je suis malheureux. T'es malheureux, t'es pas malheureux. Enfin, en fait, c'est le problème, c'est que j'ai trop peur d'appuyer sur un mot noir, en fait. Eh ben, appuie pas. Tu joues safe. Ouais, je joue safe. Je comprends. Antoine ? Je vais réfléchir. D'accord. Tant. Petite musique de Worms, on fout. Putain, mais... Quel est-elle pourcentage de chance que cette trappe débouche ici? Ah oui, c'est bien marqué à Twist qu'on écoutait là. Allô? Oui, oui. Non, je sais pas, il y avait plus personne qui parlait, donc je me disais, est-ce que vous êtes tous mieux? Allô à tous. Et oui, Antoine est en réflexion. Merci Clara Runaway, merci beaucoup pour le raid. On est en... Alors vous êtes en emote only, je suis désolée parce que ouais, je dois deviner dans Codenames. Et pour pas que le chat spoil, du coup on est en emote only, je suis désolée. Game d'avant. Pff, nos matchs en plus. Du coup vous pouvez même pas me dire ce que vous faisiez et si le live était bien. Je suis désolée, j'espère que ça s'est bien passé. On demande volume. Et bisous. BDSM. Patron demande lit. Noir. Patron demande lit. Noir. Je sais pas. Piqué, on n'a trouvé qu'un. Demande, ça me semble. En même temps, BDS, en même temps, quand tu mets 3, 3ème, il est toujours un peu. Un peu capile, quoi. Il est totalement. Un capile, peu capile, quoi, ouais. Il est totalement trop capile, le 3ème. Oh, j'ai complètement des raisonnements capile, moi, perso. Ouais, c'est ça, il est. C'est pas capile, c'est... Tu... Voilà, t'es juste... Non, mais c'est juste pour le beau jeu que ce soit capile, quoi. C'est ça, t'es obligé de le capile, quoi. Parce que... Sinon, ça passe pas, tout simplement. Non, y'a aucun fun, quoi. Mais le 2, c'est pas un capile. Un 2 BDSM capile... Le 2, c'est straight to the point. C'est clair, je peux pas le croire. Mais que, c'est trop dedans. On est trop en plein dedans. On est trop sur autre chose, d'autant que c'est même pas obligatoire du tout. T'sais. On lit non plus, cela dit, mais c'est vrai que c'est plus con, je dirais. Hein, d'après ce que les gens disent, bien sûr. Le fétichisme des épaules dans un courant BDSM bien connu. Bien sûr. Ok, je vais le tenter. Se faire griffer les épaules. Ok. Zerator ? Oui. En 4. Ah ouais. Tu t'es chauffé, toi. Ça, c'est capile, ça, pardon. Là, ça va être capile. Hein. Ça va full être capile. Putain, en tête. Alors, peut-être ce queue qui était là depuis le début, qui revient en force avec bourse. Kilt. Bon, kilt, ça me semble évident. On voit les bourses nues sous le kilt, bien sûr. Microscope. Patron. Patron de la bourse, et ça collerait avec BDSM, j'ai envie de le laisser. Demande de bourse pour être boursier. Ouais, ça collerait avec BDSM aussi, je suis obligé de le laisser. Volume, un volume boursier. Ouais, bof, non, je sais pas. Prêt, un prêt, la bourse, quand t'es boursier, est-ce que c'est un prêt? Pas vraiment. 7,
les 7 bourses, blanche bourse et les 7 bourses. Non, impossible. Voix, la voix des bourses, non, ça existe pas. Voix de la bourse, bien sûr. La voix de la bourse, bien sûr. Je suis la voix de la bourse. J'ai mis les châtaignes dans ma bourse. Les bourses, les châtaignes, les baloches, quoi, voilà. Hein, ah, bah oui, bien sûr. On pourra y aller, peut-être. Le train, la bourse du train, la bourse en train, ouais. La rame, bourse, train, rame. Ouais, bourse, train, le fromage. Lapin, bourse de lapin, non. Non, je pense pas. Miel de bourse, ampoule de bourse, bourse, miel, ampoule. Vœux, un vœu pour être boursier. Ouais, vœux et demande, ça rejoint un peu le truc. Marron bourse, non. Lit, lit bourse. Épaule bourse, noir bourse, que bourse. Que les bourses sous la queue. Non, il a pas fait ça, t'as pas fait ça, Antoine. Donc là, on en a 4. Kilt, patron, demande, vœux. Mais en même temps, patron, demande, les deux pourraient aller dans le... J'ai envie de mettre kilt, quand même. Putain, bien joué, mec. Merde, c'est pas kilt du tout. Oh. Allez. Mais c'est un cauchemar. Moi, j'aurais mis kilt aussi. Hein. Mais je on suis jouer... J'aurais on mis kilt aussi. Oh, mais là, ça va aller, Florence. Là, ça t'es va aller. Sûr t'es sûr? Ouais, non, ça va aller. J'ai perdu toute confiance en moi. Non, non, t'inquiète, mec. J'ai perdu tout des cauchemars. Chocolat, ok. Est-ce que t'as la ref? Je sais pas ce que c'est. Oh putain. T'es vilain. Chocolat noir. Microscope. Complètement chocolat de baiser. Demande, volume, préset. Voix, châtaigne. Chocolat châtaigne, ça existe. Dire, demande à lui. Laurence va vraiment cliquer sur le mot noir dans quelques instants. Chocolat au train, train du chocolat, le fameux rame de chocolat. Chocolat de rame. Lapin en chocolat. Miel. Chocolat au miel. On peut pas vraiment mettre du miel avec du chocolat. On peut, si, on peut. Ampoule de chocolat, ampoule en chocolat. Chocolat, ampoule. Je prendrais bien une petite ampoule de chocolat. Ça marche pas. Vœux. Chocolat, ampoule. Les vœux. Est-ce qu'il y a pas... C'est trop capile, ça. Genre à bout d'un certain année de mariage, du coup de tes vœux quoi, est-ce qu'il n'y a pas genre la cinquième année c'est les noces de chocolat tu vois? Il y a les noces de chocolat. C'est vrai? Ça existe, oui ça existe, mais je sais pas à quelle année c'est mais ça existe. Chocolat ça peut être marron. Ouais. On peut pas tous dans ça, le chocolat on peut en manger au lit. On peut pas en manger sur l'épaule, noir et que, bon déjà, noir ça me paraît évident. Alors qu'on peut en manger sur le pouce. On peut en manger sur le pouce. Lapin en chocolat. Pan. Le lapin d'or de Lindt, bien sûr. Et marron, bah le chocolat, c'est, techniquement, c'est plutôt marron que noir, quoi. Ok. Putain. L'espoir renaît. Alors qu'elle a passé deux fois de suite, putain. Moi l'espoir renaît, et je vais pas prendre de risque parce qu'il nous reste 4 mots, et je vais finir là. Moi aussi, j'ai passé deux fois de suite. Non, mais moi, j'ai tout, là, c'est bon, hein. Je suis pas sûr que t'es tout, mec, hein. j'ai tout. Oui, c'est exactement ça. J'avais peur que le mot noir ce soit le mot noir. Le mot noir, c'est le mot noir. Ça, les gens pour. Non. Mec, j'ai tout. Fais-moi les suivants là. Pars sur la suite là. Mec, j'ai tout. BDSM, bourse, j'ai tout. Par contre, je sais pas si je vais cliquer sur que, mec. Hein. Vraiment, je... Ok, je suis prêt. Allez. Vas-y, mais j'en ai plus rien à foutre. Pit en 1. Enceinte en 3. Ok. Ok, volume. Volume. Voix. Non, pas voix. Si, peut-être. Peut-être voix. Et ampoule. Là, je pense à ces trois trucs. Là, comme ça, tout de suite, qui me viennent. Là, comme ça. Maintenant, attends, je vais m'enlever les deux trucs. Hein. Merci beaucoup, Tim, maintenant, pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue à toi dans la communauté. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est bon. Allez. Pas correct. Oh, voilà. Parce que les ampoules, un ampli à lampe et tout. Mais peut-être il faut pas que je fasse ça. Et que je retourne plus à l'essentiel. Peut-être il faut que je dézoome. Les enceintes. Microscope enceinte. Non. Patron enceinte. Les enceintes. Enceinte patron. Ah, peut-être une enceinte. Genre un enclos. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, impossible avec ces mots-là. Enceinte, queue, la queue des enceintes, non. Épaule, enceinte, lit. En fait, il n'y a rien d'autre. La voix qu'on entend dans les enceintes. L'ampoule.
d'un ampli, mais des enceintes à ampoule. Enfin, un ampli, c'est pas vraiment une enceinte. Hein. En plus, Antoine, c'est un meilleur du son. Il tiendra rigueur. Veux, rap, 7, train prêt. Mais je suis plus sûr de rien, maintenant que j'ai fait deux énormes erreurs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur... sur voix, je pense. Putain. On n'a aucune alchimie. Je suis la merde que je crois être. On n'a aucune alchimie, mec. Je suis la... Il y a zéro alchimie, mec. Je suis la merde que je crois être. Oh non. Non, zéro alchimie. Qui voulait plus jouer à Codenames parce qu'on l'avait traumatisé une fois, bah ça va recommencer. J'ai fait trois mots gris. On fera un petit débrief à la fin par ah contre. Ah ouais, ouais, on fera un débrief. Ah, je suis trop nul. Ah, je m'en veux, Ça va, ils nous laissent encore une chance. Souhait. Oh, c'est impossible. Mais j'ai tout le reste. Hein. T'as rien, putain. J'ai tout. Oh putain. Ah oui. Faut que je reset. Microscope, ça marche pas. Patron, ça marche. Le souhait d'être patron, c'est bizarre. Et le BDSM. Mais oui, alors, j'étais mute. Oui, t'étais mute. Attends. Il faut que j'oublie. Une demande, ça ressemble à un souhait. Un prêt, je souhaiterais un prêt, monsieur. Les 7 souhaits. Oh, putain. Une châtaigne, je souhaite avoir une châtaigne. Le train du souhait. La rame du souhait. Le train du souhait. J'aimerais trop souhaiter du miel. Un vœu. Comment vivre ? Ampoule. Lit, épaule, queue. Je suis horrible. Heureusement, j'ai pas le chat. Putain. Ben, vœu, ça marche. Hein. Vœu et souhait, c'est synonyme. Et demande, pour moi, ça marche aussi, mais. Allez. Oh, putain, j'étais persuadée que c'était un mot à E. Pour bourse. Bravo. Ok. Quoi que t'as mis, demande. Cool, un mot en moins pour moi. Bon, on doit tout faire en 5, hein, du coup. Non, mais j'ai. Eh bien, Zerator, es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti alors. Non, mais attends. Bien fait, bien. C'est un mot troll ou c'est un vrai mot? C'est un vrai mot. Ok. Mais réfléchis bien à toute la game aussi. Putain, alors il y avait que... Non, j'y crois pas. Zera, il veut pas être grivois depuis le début de cette partie, mais je crois que tu vas être obligé, Zera. Je veux pas cliquer sur que. Je crois que tu vas être obligé, hein. Franchement, au diable, j'appuie en first. Allez, putain. Enfin, il appuie sur que. Non, mais vraiment, il refusait d'être grivois, hein. Vraiment, il refusait d'appuyer sur que, c'était une dinguerie. Ok, putain. Oh la vache. Alléluia. Alors lieu, c'était Hawaï, Venise. Ok. Volume, est-ce que c'était avec bourse et BDSM? Eh, je crois pas. C'était que enceinte. Que et corde, c'était BDSM. BDSM, c'était 3, donc il en manque 1. Donc je dirais le lit. En plus, le lit, c'est un peu un lieu, mais il a mis que 2. Non. Bourse 4. Putain, bourse 4, ça, c'est un truc de fou. Donc, bourse, il en manquerait... Allez, on va dire 2, voire 3. Parce que c'était bourse. Mais il en manque 2. Ah, le volume des bourses, peut-être. Peut-être il en manque que 2. Donc ce serait quoi? Ce serait patron. Ce serait patron et... Zera qui voulait pas être beauf, mais qui est obligé d'être beauf à cause d'Antoine. Là, ça me là, fume de rire. Dedans, je plonge. J'embrasse tout. Ça me fume de rire. Alors patron, c'était bien parce que... Parce qu'il y avait bourse, il y avait BDSM, il y a le patron, allez hop, c'est parti. Bien joué. Bon. On y va maintenant. On y va. Ok, et donc là, il manque 3 mots. Ok, 3 mots. Je donc pense il que manque. Tu peux vraiment clutch, mec. Tu peux clutch. Donc il manque un enceinte. Il manque un bourse, peut-être, parce que volume, patron, que. Donc, ou la corde de la bourse? Non. Si, peut-être. Le train de la bourse. Ouais, peut-être, hein, peut-être. Hein. Sucer dans le train. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Donc là, moi, je penserais à peut-être train-lit. Deux endroits où on peut tout à fait sucer ou se faire sucer. Hein, selon les préférences, évidemment.
Bourse 4. En train de discourir l'historique de Zerator là. Non mais je suis désolé, mais je suis obligé de réfléchir avec tout le contexte qu'on me donne. deux mots. Et alors après, ampoule, j'avais envie de le mettre pour enceinte. Mais c'était encore le moment où on n'avait aucune alchimie. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée? On a le miel peut-être pour le BDSM. Non, c'est pas... Non, j'aime pas. On peut sucer du miel en revanche. Mais on peut aussi sucer des châtaignes. Voilà. Châtaigne qui correspondrait à bourse. On peut pas vraiment sucer une châtaigne en vrai. Enfin, faut enlever la coquille, quoi. On peut pas sucer un microscope, ça m'étonnerait beaucoup. Tu confonds avec les marrons, je crois. Ouais, c'est ça. Enculé de citadin, c'est ça encore. Les marrons, les châtaignes. Peut très bien sucer une châtaigne. Hein, une châtaigne, citadin, c'est mort. Bon, le lit. Marrons, c'est compliqué. Voilà, le lit. Et là, il en manque deux. Donc là, je suis un peu perdu. Là, c'est compliqué. 7, c'est sûr que non. Prêt. Là, il n'y a que ampoule et train. Non, il y a peut-être miel. Ampoule, train, miel. Épaule, je pense vraiment pas. Prêt, je pense vraiment pas. Microscope, sceptre, rame. Châtaigne, pour les bourses, c'est vrai que c'est possible en étant grivois à max. en étant grivoax. Mais vas-y, c'est dur. Je reviens déjà de loin, là, je souffre. Après malveillance max, grivois max. Est-ce qu'on peut sucer une ampoule? Pff, en même temps, presque tout sucer, j'ai envie de dire. Franchement, à ce titre-là. C'est une bite si t'es assez courageux. Non, mais voilà, tout est phallique, hein, rien n'est phallique. Voilà. Bourse 4, enceinte 3, enceinte. Putain. T'es ampoule, mais non, mais ampoule. Oh, je suis trop focalisé. Tiens, c'est minuit et quart, on va dormir là. Ouais, je sais, mais attends, on veut gagner la game. Ok, prends ton temps, prends ton. Voilà, allez hop. Allez hop là, t'as vu comment j'ai mis la pression? Mais oui, je t'ai fait casser par l'ennemi qui doit pas parler alors que c'est l'espion en plus. Non, mais c'est vrai, j'ai mis 4 mots gris. On la mérite plus. Bien joué. Mère. Au pluriel, donc je pense qu'il pense aux 7 mères. Oh, je sais pas. Par contre, la deuxième, bah rame. Hein. Microscope, ça marche pas. Après, ça marche pas. Châtaigne, c'est bizarre. Train. Châtaigne et miel. Miel, épaule. Châtaigne, train. Ben, les sept mères, hein, on dirait. Oh, si tu me dis que c'est microscope et épaule, je vais péter un câble. Et rame. Bien Let's go. Miel. On revient de loin. Ah ouais, prêt. Ouais, c'était dur. Moi, j'ai pensé miel pour les pastilles à sucer, non? Je remets le chat. Shenron, c'était pour c'est le dragon de Dragon Ball. C'était pour vœux, cristal. Ah mais j'ai jamais regardé Dragon Ball de ma vie ou lu. Putain. Ah ouais, après j'avais vraiment. Donc je suis très triste pour vous hein, qui avez perdu un monument de votre jeunesse, mais je n'ai pas les refs. Ah ouais. Non mais en gros, ce que je voulais faire pour BDSM, je voulais te faire deviner patron, que et lit. Et okay. Non, c'était corde. Non, c'est pas patron. C'était lit que corde pour BDSM. Okay. Ensuite, pour lieu, bah, c'était effectivement Hawaï et Venise. Ouais. Pour bourse, c'était patron prêt. Ouais, prêt. Volume, en fait, que, évidemment, encore, ouais. Bien sûr. Mais prêt pour bourse, c'est... Ouais, mais j'essayais d'en mais mettre je comprends, un plein. C'est un 4. Enceinte, en fait, t'as pensé aux enceintes selon moi, je pensais à une femme enceinte, c'est pour ça que je l'ai mis au singulier. Ok. Et du coup, c'était mais... lit que volume, parce que le ventre volumineux, machin, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, voilà. Oh, je t'ai surestimé. Oui, bien sûr. et sucer, bah sucer globalement c'était patron parce que tu suces ton patron pour avoir une augmentation. Par, même métaphoriquement bien sûr. Le lit bien sûr, la queue. Le prêt aussi parce que tu suces pour un prêt. Antoine dans sa tête, il faut sucer. Non, prêt celui-là t'aurais pu l'avoir pour avec bourse. La bourse et miel. Je me disais, bah tu suces du miel. Quoi. Mais les pastilles au miel en fait que tu suces. Quand t'as mal à la gorge, tu suces une pastille en fait. Tout à fait. Sûrement les ampoules, non, lit que volume. Oh, désolé, c'était très, très beauf tout ça, hein, bien sûr, mais écoute, j'ai fait de mon mieux. Il m'a fait un sexe en 5, quoi. Bien sûr. Putain. Allez, merci. Miel. Non, c'était dur. Franchement, c'était dur. Et canonnière, ouais, c'était bien un bateau, du coup, j'avais le feeling, mais j'étais vraiment pas sûr à 100%. Oui, c'était pour ça, canonnière, c'était poudre noire et rame, je crois. C'était j'ai vraiment pensé, mais je me suis dit, vas-y, est-ce que je me lance pas dans un truc qui est tricky, quoi? Pour moi, canonnière, c'est le nom qu'on donnait à des vieilles frégates. C'est des bateaux pas très gros, en fait. Non, mais lit de volume pour enceinte. Je m'en remets pas. Alors,
alors qu'il y a le volume des enceintes et ampoules. Mais oui, je ne sais pas. Je, là, j'avoue que... Que volume. Ah, je sais pas quoi dire. Mais en plus, ce qui me tue, c'est quand j'ai dit enceinte pour Nico Volume, mon chat est en mode let's go. Le pec. C'est, tout le monde, on était tous d'accord. Moi, j'étais en mode ah, trop bien. Nico Volume. Oh non. Il y en a qui vont me dire qu'ils étaient pas d'accord, mais ils mentent. On était d'accord. Bonne soirée à tous. Salut. Salut Fred. Des bisous, Fred. Des bisous. Ciao, salut. Je sais que c'est lampe et pas ampoule pour les amplis, mais on est sur un mot 3, tu vois. Genre, c'est code name. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est code name. Des fois, on fait des raccourcis comme on peut, quoi. Oh, leak volume. Non, ça, c'est fou. C'est fou. Mais miel, je comprends, j'avoue. My bad. Mais prêt. Bon, après, j'aurais pas trouvé, je pense. Oh. Énorme. Aucune alchimie entre Zera et. Ah, là, il n'y avait aucune alchimie, là. Et c'était vous étiez ensemble ou vous avez fait les polars aussi, non? Oui. Ouais. Et Paul était de retour, là. J'ai flippé, hein. Je me suis chié dessus là. Il va ressortir les polars là. J'ai vraiment été en mode. Non, il a pas mis que quand même. Mais je vois. Peut-être ah oui, tu refusais de le mettre, hein. C'est une dinguerie. Hein. Non, en fait, il y avait plein de trucs et je me suis dit. Oh, non, mais si, bon. Je suis une merde. Il voilà, a pas voulu s'abaisser à ça en fait. Juste clique sur que, je suis juste une merde. Click on that cock. Click on that cock, man. Click on that cock, man. Oh, fuck. Oh, papa, bien. Comment on fait un bébé ni que volume, mon fils. Techniquement, la queue dans le lit déclenche un volume du ventre. Oui, oui, c'est très... Faut s'imaginer, quoi. Ah bah... Faut se projeter, quoi. Et c'est poétique, moi, je trouve. Mmh, ça, mmh. C'est joli, quoi. Oui, oui. Lit plus que égale volume. C'est ça, plus ou moins. Aussi limpide que 2 plus 2 égale 4. Pour moi, si t'avais pas trouvé enceinte avec ça, mec, mais je sais pas. Non, mais c'est, bah, c'est my bad, voilà. C'est ouais, bah, c'est de la faute. Cette fois, c'est la faute de la personne qui devine. Là, bien c'est, sûr. C'est sûr. Sûr. Oh. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Ah, c'est ça, le réarmement démographique va se faire comme ça. Oh. Lit que volume. Bon, sur ce, je vais m'en aller. Bah allez, moi, je me casse aussi. Hein. J'espère que je pourrai sortir pareil. De ce lieu, d'ailleurs. Mais voilà. Merci à tous. Merci à beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. C'est vrai, il va continuer de rire en live. Ah ouais, non, c'était... C'est le meilleur live. Ciao, ciao. Salut. Bisous. Voilà, la musique s'arrête en même temps, non? Oui, merci beaucoup Stardust, merci beaucoup pour le 11e mois de sub, bientôt l'année, bravo, merci beaucoup. Un petit valo, non, il faut que je me lève tôt demain, donc j'avais prévu de partir, enfin, généralement la soirée du lundi se termine autour de minuit, donc j'avais prévu, quoi qu'il arrive, de me barrer à minuit si jamais ça continuait trop longtemps. Voilà. Voilà. Live était super, mais la musique, arg, comment ça la musique? Qu'est-ce qu'il y a? Et pas ça. Et pas ça. Hop là. Bon, a priori, demain, on ne se retrouve pas. Mercredi soir, il y a le FFS de Zera qui est réservé aux femmes et aux genres marginalisés. Du coup, je serai là pour mercredi pour le FFS. Je crois que c'est à 20h. Je crois, je vais juste checker. Merci beaucoup, Slevin. Merci beaucoup pour ton gentil message. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suppose que c'était la musique du jeu, un espèce de truc super répétitif et aigu. La musique du jeu? Mais il n'y a pas de musique sur... Ah, la musique sur... Sur Pummel Party? Je ne vois pas. Non, sur Codenames? Il y a une musique chiante. J'ai pas la ref. Bref, je crois que c'est 20h du coup. Le PUBG information, je vois pas. Je vois pas, je vais aller sur le truc de Zera. Est-ce que c'est marqué quelque part? Je pense que oui quand même.
Oui, c'est à partir de 20h. Donc le FFS spécial PUBG aura lieu à 20h ce mercredi. Je ne streamerai pas demain, mais je serai là mercredi pour le FFS. Je lancerai un petit peu plus tôt, sûrement pour faire une game de chauffe et ensuite zou. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Gameplay voiture, bien sûr. On va tenter, hein. On va prendre l'auto, je pense, hein. FFS, c'est tournoi de PUBG. Non, FFS, c'est un truc qu'a organisé Zera qui s'appelle le Fight for Sub. Et en gros, qui est une grosse compétition entre 100 personnes. Et celui qui gagne reçoit 100 subs. Voilà. Normal, en fait, si vous voulez tout savoir, à l'origine, c'est qu'il y a 100 participants. Les perdants doivent tous se sub chez la personne qui a gagné. Et du coup, comme ça, il avait son sub. Enfin, la personne qui gagnait avait son sub. Enfin, 99, je chipotais pas, vous avez compris. Mais maintenant, c'est Zera qui offre les 100 subs parce qu'il y avait des gens qui jouaient pas le jeu, etc. Et qui prenaient pas le sub chez la personne et tout ça. Donc, pour être sûr, et bah... Voilà. Espérons pour lui qu'Antoine fasse mieux cette année. Non, il pourra pas participer. Et c'est un effet spécial qui est réservé aux femmes. Et aux gens marginalisés, donc les personnes qui vont être non-binaires, etc. quoi. Et là, ce sera sur PUBG. Merci beaucoup, Ethanor. Merci beaucoup pour le 18e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ouais, du coup, on me doit 400 subs. C'est vrai, ça. Hein. C'est vrai, ça. C'est tout à fait ça. Voilà, et ce sera sur la chaîne de Trivia, donc sur la chaîne de Little Big Whale. Il y aura un co-cast avec Zera, mais ce sera pas sur la chaîne de Zera cette fois-ci, ce sera sur la chaîne de Trivia, tout simplement. Merci beaucoup Assassin Chris, merci beaucoup pour le 6e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Baldur's Gate 3 me manque aussi, ouais, on en refera. Cette semaine c'est un petit peu compliqué, je vais pas rentrer dans le détail, mais... J'ai des contraintes perso qui font que je pourrais pas streamer exactement comme je veux. Donc je suis pas sûre de pouvoir en faire cette semaine. Malheureusement. Et on n'en a pas fait la semaine dernière, donc c'est chiant. C'est chiant. Parfois j'arrive sur ce live, j'entends une dinguerie. Et bah, Solange, mon pote! Long, mon pote. Allez, on se retrouve mercredi. Je lancerai sur les coups de 18h30, 19h, je pense. Et puis, des gros bisous. J'espère que le stream vous aura plu. Des gros bisous, passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Oh, merci, Boum le poteau, également, pour le 29e mois. Merci beaucoup. Des bisous. À mercredi.